Ça y est, c'est le dernier dimanche du mois. Bonjour les copines, bonjour les copains. On se retrouve comme d'habitude avec l'accordéon pour une vidéo qui vous est réservée, qui vous est dédiée à vous les abonnés, puisqu'en effet, pour vous remercier de votre générosité, de votre amitié, de votre gentillesse et de votre présence au quotidien sur mes vidéos en direct, le dernier dimanche, c'est vous qui faites le programme, c'est vous qui l'avez fait aujourd'hui, et c'est avec plaisir que je vais me plier à vos dédicaces, chers amis. Je commence tout de suite avec une païse, comme on dit, une voisine, une cantalou comme moi, c'est mon amie Eliane à Saint-Flour qui m'a demandé ce beau morceau de Jean Séguren, une espagnole à Saint-Flour. C'est parti! Thank you.
Saint-Flour, une composition de cet accordéoniste emblématique de notre musique régionale, de notre musique populaire, c'est Jean Ségurel. Et c'était un plaisir de la jouer pour toi, Eliane, avec de gros bisous donc qui vont jusqu'à toi dans le Cantal. La deuxième dédicace de ce dimanche, c'est Brigitte qui est dans l'Allier. Je l'embrasse très très fort. Brigitte, elle fait un métier magnifique, elle aide les gens au quotidien. Et ça, c'est chapeau, bravo Brigitte. Pour toi, donc, les Arvernes de Lutèce, c'est la marche qui déménage. Allez! Les Arvernes de Lutèce. À présent, si nous dansions, si nous chantions, si nous écoutions
le tango, je vous propose de retrouver ce morceau composé avec brio par un Aveyronnais d'origine, monsieur Dominique Bello. Vous l'avez peut-être reconnu déjà rien que par la présentation. Ce tango s'appelle C'est le tango Aveyronnais. Alors tango et Aveyron à vos oreilles, ça sonne peut-être un peu hors de l'ordinaire, un peu hors du commun, un peu étrange. Et bien cette association d'idées n'est pas fortuite, puisque beaucoup d'Aveyronnais ont émigré, il y a de cela maintenant des décennies, en Argentine, plus précisément dans la petite ville de Pigüé. Voilà donc pour le rapprochement entre l'Argentine, le tango et l'Aveyron, avec l'histoire de ce morceau, c'est le tango Aveyronnais. Très fort. Dans mes derniers galas, je l'ai joué, tout le monde était sur la piste, c'était que du bonheur. On continue avec le programme de dédicace, ça s'appelle Vive le Cantal, et ce n'est pas pour une Auvergnate, non, c'est pour une Vosgienne qui s'appelle Ginette. Voilà Ginette, c'est pour toi, vive le Cantal. Le Cantal, département magnifique, hein. Moi je suis née à Saint-Flour, vous connaissez peut-être quelques villes du Cantal, Saint-Flour, Aurillac, Mauriac, Vic-sur-Serre, voilà. Alors vive le Cantal, la marche qui décoiffe, la marche qui déménage, la marche qui met l'ambiance. On y va! Thank you.
votre participation sur cette marche Vive le Cantal. Je suis sûre que chez vous, avec l'ordinateur ou le téléphone, eh bien, ça vous a mis la pêche, ça vous a mis la bonne ambiance, ça vous a mis de bonne humeur. Je n'ai pas précisé que la dédicace « C'est le tango » aveyronnais m'avait été demandée par notre ami nîmois, Monsieur Claude Cazorla. Alors, on a encore passé un bon moment, décidément, c'est devenu une habitude tous les derniers dimanches du mois, comme ça on se retrouve en direct à midi, ici sur YouTube, avant que j'aille faire mon thé dansant, mon animation. Et c'est vous qui faites le programme pour vous remercier de votre générosité, les amis, c'est ma façon à moi de vous offrir quelque chose, de vous renvoyer l'ascenseur. Alors si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, comme ça vous n'êtes sûr de ne louper aucune vidéo. Quand vous vous abonnez, vous activez bien la petite clochette, et puis dès que je mets comme ça une nouvelle vidéo en ligne, pour vous les abonnés, vous êtes les premiers à être au courant et vous bénéficiez ainsi de ces vidéos et de ces photos réservées aux abonnés, aux membres souscripteurs. Je vous souhaite un excellent dimanche, que vous passiez peut-être l'après-midi tranquille chez vous ou que vous alliez danser. Amusez-vous bien les amis, et puis à très bientôt ici ou là aux quatre coins de France. Je serai là avec mon accordéon. Salut à tous, merci et bon dimanche.